Salut à tous les personnes, on se retrouve aujourd'hui pour jouer un championnat sur le jeu F1 World Grand Prix USA. Born in the USA. Enfin, Roger USA, c'est la version états-unienne. Cool. Donc, on va démarrer tout de suite un mode Grand Prix. Donc, c'est la première fois qu'on va faire un championnat sur une 64. Hein. J'ai pas le souvenir d'en avoir fait. Sur Dreamcast, oui. Sur PlayStation 2, oui. PlayStation 1, oui. Saturn, non. Et je sais plus trop quoi. Bon, bah du coup, on va faire un nouveau fichier. On va faire Erase. Voilà, yes. C'est juste pour tester, bien sûr. Donc, on va faire un nouveau fichier. Donc, ouais, je pensais commencer avec Shinji Nakano. Mais en vrai, on a tous les pilotes de 197, sauf les fameuses Lola, comme d'habitude. Je rêverais de pouvoir battre Lola. Là, je m'étais amusé à modifier les textures pour par exemple, remplacer les stewards par des Lola, ça aurait été marrant. Ouais, je tente un autre jour. Ça pourrait être marrant. Alors, on va pas prendre une petite équipe, parce que je vous avoue franchement que je découvre le jeu, donc ça va être, je pense, trop compliqué si je démarre avec une équipe pourrie. Donc, je pensais partir avec Shinji Nakano, avec la Prost. Mais, est-ce que je vais pas plutôt partir avec autre chose? Alors, j'imagine que si je prends, par exemple, les Ferrari ou les Williams, ça va être... Ça va vraiment être trop. Donc potentiellement, peut-être partir à une équipe de moyenne. J'avais dit par exemple sur Formule 97 qu'un jour je prenais par exemple la McLaren. Et ben je crois que je vais prendre la McLaren. Mais j'espère que je vais pouvoir faire honneur à Kinen, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Allez, c'est parti. Alors on regarde les stats ici, voilà. Une pole, une victoire, donc ça veut dire que le jeu a été mis à jour après la saison 97. Hein. Sinon il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu la victoire à Reves. C'est parti. Alors, on va se mettre en professional. On va laisser par défaut ça, ouais. Ok. Ensuite, on va mettre... Alors, est-ce qu'on met les événements de 97 ou pas? Événements, c'est là, par exemple, le Monaco, tout ça. Non, on va laisser le jeu un peu déterminer ce qu'il veut. On va ajouter les dommages. Pit in. On, off. Ben, on va mettre on. On va mettre le random au niveau du... Au niveau des... Du temps. Alors j'hésite entre mettre 8, 16. Bon, moitié, je peux pas déconner. 16 tours, ça me paraît beaucoup. 8 tours, je pense que ça peut être pas trop mal. Quoique ça fait peut-être un essai. Si on est arrivé au stand, ça va faire un arrivé au stand très rapide, j'ai l'impression, mais bon. 8 ou 16, 16, ça me paraît beaucoup. 16 tours, je pense que c'est un peu long. On va faire 8 tours. Et de toute façon, si on voit que c'est pas bien, on fera en prochaine saison, peut-être sur le 2, avec beaucoup plus de tours. Display, donc on va mettre les kilomètres heure, on enlève la ligne de course, on enlève la map, ça c'est la télévision, on va la garder. Look ahead, je sais pas trop, on va mettre... aucune idée. Off. Au niveau du son, on a tous les sons, bon on le sait par défaut. On va faire sortir. Et du coup, on va démarrer ce championnat 97 normalement à Melbourne. Donc voilà le circuit. Donc comme d'habitude, on est sur 64, donc pas de vidéo. Hein, c'est juste on prend les graphismes du jeu et on voit la sauce. Donc, ce Grand Prix d'Australie qui va démarrer. Alors, je vais lancer les qualifications, bien sûr. Alors, je me suis un petit peu entraîné sur l'Australie quand même avant. Sinon, j'aurais pas fait comme ça, hein. Je relancerais pas la qualification d'un coup. Donc on s'est parti. Je ne sais absolument pas le temps qu'il va faire par contre pendant la course. Je sais pas si on peut le voir. Ah si, Claudy, 8 tours. Alors apparemment déjà... Claudy, déjà ça commence bien, ils disent que c'est nuageux. Alors c'est un circuit qui est plutôt lent, où il faut pas mal de vitesse, c'est quand même pouvoir tourner. J'ai pas envie d'avoir trop de déficit en vitesse de pointe, donc je vais mettre... Les front wing à 20, donc on va prendre le setting D. Ici, on peut choisir le nombre de tours. Je vais m'entraîner avec 4 tours d'essence. Hein. Les super soft, bien sûr. Et on va faire sortir. Donc ouais, le micro n'est pas le même, hein. vous le comprenez. Et je crois que j'aurai beaucoup mieux, malheureusement, pour le moment. Donc c'est parti, on est avec la McLaren 2.97. Et donc c'est parti pour ce F1 World Grand Prix sur 64. Alors vous vous souvenez peut-être, si vous avez suivi la version Dreamcast qu'on avait fait,
Oula, qui était un jeu que j'avais totalement en fait détesté parce que je le trouvais une rigidité sans précédent et surtout totalement injuste au niveau des IA. On avait même arrêté le championnat après l'Autrichien, hein, si je dis pas de bêtises. Faut dire à quel point ça m'avait énervé. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Écoutez, c'est parti. On va lancer une qualification avec la McLaren. Normalement, il y a une équipe qui peut jouer quand même des points, pas déconner. Après, est-ce que je vais être trop nul pour ça? Ça restera autre chose. En tout cas, on est parti pour cette séance de qualification. Ouais, normalement, je peux le prendre à fond. Cet endroit, je suis, voilà, je suis un petit peu entraîné en essai pour voir un peu les limites du circuit. C'est un jeu qui reste assez permissif, mais quand même assez frustrant quand même, hein, dans le sens où le maniement, comme vous pouvez le voir, est assez anarchique. Alors, il faut jouer au volant, hein. Vraiment, il faut jouer au volant, ce jeu. Si vous avez un volant 64, je ne sais pas si beaucoup de gens ont un volant 64, d'ailleurs. C'est vraiment le mieux, pour être précis. J'aurais peut-être dû régler la boîte de vitesse. On est en 5e. On est en 5e à 280, on passe même pas à la 6e. Je pense qu'on pourrait réduire la boîte de vitesse, en tout cas la ronde plus courte. On va finir un tour là et on verra ce que ça donne. Voilà, pour sur l'entre qui est vraiment compliqué. Parce qu'en plus on n'a pas une bonne relance du coup, quand on est à basse vitesse, de toute façon qu'on n'accélère pas beaucoup. C'est juste. C'est très très juste. Alors je montre quand même les vues qui sont disponibles un petit peu. Donc on a la vue embarquée, on a la vue intérieure qui est très très bien faite pour l'époque. Celle-là est très bien faite aussi. Vue un petit peu éloignée et vue complètement éloignée. Et on jouera avec la vue complètement éloignée tout simplement pour des histoires de caméra quand on tourne. En fait, le problème de la vue embarquée, c'est que les boss sont tellement présentes qu'en fait ça ne fait que taper tout le temps. C'est assez, assez désagréable à suivre malheureusement. Et malheureusement, la vue arrière reste la vue la plus confortable, même pour tout le monde en fait, hein, même pour ceux qui font pour regarder. On va finir notre tour, ça paraît être très très folichon hein, comme temps au tour. On est à 6 secondes, 21e temps. 21e temps. Et en plus, il se met à pleuvoir, c'est génial. Je sais même pas si je pourrais finir mon tour. Ah, puis c'est la drache, hein. C'est vraiment la pluie qui arrive vite là. Ouais, donc du coup, s'il pleut comme ça dans la course, je pense qu'on va même pas partir en pneus slick, on va partir directement avec des pneus humides. Parce que ça serait un trop gros risque. Ah ouais, je le sais, où je passe en pneus. On va voir en vitesse de pointe ce que ça donne. Je suis en train de baisser en vitesse, c'était 140. Les 250 avec les pneus slick. Il est complètement nul. Maintenant, je peux le prendre à fond sans réfléchir, c'est le seul avantage. Ouais, 3 secondes de retard, ça va être compliqué. Bon, je vais finir mon tour. Au cas où. On sait jamais. Peut-être en le prenant bien, ça n'aurait pas trop de temps. On le prend à fond. Allez, on tente, on tente. Ah, je pense pas que je vais finir mieux. Hein. Ah non, ça va être compliqué. 6 secondes 19. 6 secondes 19. Alors attendez. Actuellement. Ouais, je suis juste devant Dinis, quoi. Alors, au niveau des. On essaye télémétrie. Non, pas sauvegarder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Customize. Ah non mais ouais non mais par contre je vais absolument avoir un médium hein. Je veux pas avoir une boîte trop longue. Super soft. On va partir avec full essence. Full essence. On va partir avec des soft rain. Easy rain. Easy rangers. Ou alors on peut partir avec des intermédiaires, ça peut être pas mal. Je sais pas trop. Bon, on va partir avec les softs.
En pneu de pluie, les gars. On va pas faire Exit, on va faire... Option, on peut tester. On va faire fin de session. De toute façon, là, sous la pluie, j'améliorerai pas, hein, c'est certain. End session, et on va partir du coup là, pour la course. Je laisse la musique qui est plutôt sympa pour le moment. Ah oui, il n'y a aucune amélioration, hein. On est 21e. Bon, c'est pas... c'est pas une super... une super entame de championnat, mais écoutez, c'est pas grave, on verra bien. On verra bien. Allez, c'est parti pour le Grand Prix. On va voir quand même ce qu'ils disent au niveau du... Au niveau du temps, ouais, c'est pareil. Claudie, donc je pense qu'il va y avoir potentiellement la même chose que pendant la qualification. C'est-à-dire peut-être de la pluie en milieu. Donc je vais pas prendre de risque. Juste voir au niveau. J'étais en. Ça a consolé les réglages ou pas? Customize, ouais, c'est bon. Cool, on a mis 8 tours. Donc full, FL, ouais, ça veut dire full. Là, c'est 95. Ok, j'ai essayé de finir la course sans m'arrêter. Ça va être l'idée, donc on va être un peu lent hein, par contre en début de course. C'est parti. Trop vite 13ème sur la Minardi quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Et nous on est 21ème. Allez, c'est parti. On n'est pas un peu sur le côté là? Bon, on n'a pas calé, mais oh, il y a un super départ de Diniz. Il a vraiment grillé tout le monde là, au départ. Bon, on est en pneu pluie, donc évidemment, il va falloir faire gaffe au tout début. On va pas être très rapide, hein, ça se voit à l'accélération. Ça m'éclate de tenter déjà un pari alors que je connais à peine le jeu. Enfin, je veux dire, trois fois que je suis au championnat, je suis déjà en train de tenter des trucs peut-être improbables. Aïe, 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 on s'est planté. Effectivement, je vais pas avoir un grip de fou. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait l'usure de gomme en fait. On peut choisir un type de gomme, mais j'ai pas l'impression qu'on peut choisir l'usure. Ah, il y a déjà une voiture sur le côté. C'est une Jordan. C'est une Jordan, c'est Ralf Schumacher qui abandonne. Enfin, je pense qu'il va abandonner. Ouais, ok. Bon, pour le moment, c'est pas un choix super, on est quand même. Même, il y a une voiture aussi sur le bas-côté, là, je sais pas ce que, qui c'était. Ouais, je pense, je sais pas si on a fait un bon pari, on va voir, hein, de toute façon. Oh, attention au freinage. Ouais, elle est vraiment... Bon, ça va, en vrai, j'arrive à tenir le rythme, hein, ils sont pas si loin. Bon, après, c'est le début de course, donc ils sont un petit peu tous dans un couloir de poche, et surtout, ils se gênent un peu entre eux. Enfin, j'ai du mal à tourner, hein. Oh, la prise de virage, c'est compliqué, là. Il rentre au stand déjà? Il rentre au stand au premier tour? Pourquoi faire? Pourquoi il rentre au stand au premier tour? Peut-être qu'il a cassé, peut-être qu'il y en a l'air cassé, je sais pas, on va voir. On va tenter l'intérieur. Oh, c'est touché. Oh, c'est une. Non, c'est Narose qui est sur le côté. Oh là 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 là, mon dieu! On s'est tapé. Heureusement, j'ai rien cassé. Je suis 18ème, j'ai gagné une place. Bon, oh, attention à la tirelle derrière. Je pars dans le gravier à chaque fois ici. J'ai vraiment du mal à prendre ce virage. Qui va essayer de me dépasser. On est 18ème, hein, c'est vraiment pas pollution. C'est mieux passé pour le moment. Oh, il est parti à la faute! Il est parti à la faute, la rose, et du coup je passe devant. Et il pleut! Et il pleut! Ça y est, bah du coup, bah ouais, c'est comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure.
Alors, il y en a qui s'arrêtent maintenant. Et l'avantage, c'est que je me suis. J'ai pas besoin d'arrêter. Je n'ai pas besoin de m'arrêter. J'ai déjà les bonnes gommes. Bon, j'ai réussi à complètement couper, ça n'a rien fait. Alors, ils ne sont pas arrêtés. Bon, il y a une voiture qui est dehors, là. Il y a une Jordan, je crois. Ouais, c'est ça. En tête à queue. Ah, c'est impressionnant, hein, les IA qui partent à la faute comme ça. Attention, pas trop glisser derrière aussi. Par contre, j'ai du mal à garder le cap. C'est vrai qu'avec ces gommes-là, pour tourner, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je coupe. Bon, MDL 12ème. Certes, il y en a un restant. J'ouvre au chat, comme d'habitude. Ah, il a vu le chat. Ah, en plus, il va falloir que je ouvre la porte. On se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve. On a été donc au sol la pluie. Et ouais, du coup, au freinage, là, ouais, c'est bon, là, j'ai mieux le prendre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à avant. Par contre, derrière, non, ça va. Ouais, ça, on est tranquille. Oh là là, comme il pleut, ça drache énormément. Alors, on va prendre ici. Allez, au freinage. Au j'évite de partir en tête à queue. Ça serait vraiment dramatique. La minarde qui rentre au stand, ça c'est bien. Du coup, on récupère une place. Allez, on est dixième. Alors, j'espère qu'il ne faut pas les full wet par contre. Oh, ça remonte vite derrière. J'ai l'impression. C'est un peu dans l'intérieur du virage. Alors, c'est pour ceux qui ne suivaient pas la F1 à l'époque. Le G qu'on a en dessous du nom, c'est pour Goodyear, hein, parce qu'il y avait deux gommes, enfin deux manufacturés. Il y avait Goodyear et Bridgestone en 97. Bridgestone qui est arrivé pour la première année en 97. Et donc, on équipait Goodyear. Ce qui n'est pas spécialement le meilleur choix en 97. Enfin, suivant les courses, en fait, les Bridgestone avaient tendance à avoir une meilleure tenue, surtout quand il fait très chaud. Et ça a permis d'ailleurs, par exemple, aux équipes comme Prost de faire de très bons résultats, même à Rose, dans les conditions climatiques où il faisait très très chaud. Et on est 9ème. Je sais pas s'il y avait encore à s'arrêter ou pas. Allez, à l'intérieur. Je suis beaucoup plus rapide. Oh ouais, il est complètement à l'agonie là, avec sa Prost. Je pense que c'est pas Nice ou peut-être Nakano. Oh, on va en sortir juste devant. Oh, c'est bon ça. C'est très très bon. On est 7ème. Alors, on n'est pas dans les points. Mais on est à la porte des points. C'est pas mal. Par contre, je vais pas avoir un rythme de fou. Alors, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit que les pneus commencent à devenir chauds. Ah oui, les pneus! C'est-à-dire qu'il va falloir que je le rechange encore? Faut que je change les pneus déjà? Ah, j'aurais dû peut-être mettre des pneus hard. Bon, je vais quand même continuer comme ça. On va voir ce que ça donne, hein. Écoutez, de toute façon là je vais essayer de viser les points. Hein. Et Larini 6ème. On est au lap tour, on est au lap 5, il y aura 3 tours à faire. De toute façon j'aurais à tenir le rythme, donc ça c'est une bonne nouvelle. Oh, on est cinquième, on est cinquième. En
Enfin, sixième, je sais pas, ça dépend du... On s'est retrouvé cinquième à un moment, j'ai pas trop compris. Il reste trois tours à faire, je suis pas sûr de pouvoir tenir. Allez, est-ce que les pneus vont tenir? Par contre, ça, j'en ai aucune idée. Wouah, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué, là, pour tourner. Ah, on a Coulthard, notre équipier qui est juste devant. Ça serait pas mal, on manquerait 4ème et 5ème place pour, pour une première course. On va voir un peu après. Oh non, on va tirer tout droit. Ah, c'est marrant parce que quand je quitte un tout petit peu là. Il y a d'abord une place. Quand je quitte un tout petit peu la route. Il y a l'impression que nos places elles changent. Un peu bizarre, mais. Ouais, non, il va falloir que je m'arrête là. Il va falloir que je m'arrête. J'ai plus aucun grip, plus rien. Je vais rien pouvoir faire. Je vais rien pouvoir faire, ça tourne plus. Ah, malheureusement, c'est fini. Je tourne même plus. Je ne tourne même plus, regardez. Les pneus sont morts. Les pneus sont morts, il va falloir que j'aille au stand. Alors, on va rentrer au stand. Donc, effectivement, ça tient un tour de plus, mais pas plus, hein, les pneus. Allez, bon bah là malheureusement... Alors j'ai le moteur apparemment qui a un problème. Non c'est bon, c'est réparé. Seconde 9 au stand. Ah bah ça va être compliqué, on revient dans les points là. Je pense qu'on va se retrouver avec 17 secondes de retard. J'ai perdu tellement de temps avec mes gommes que... On va essayer. On va essayer, mais là, il reste 2 tours. Ouais, les gommes, en gros, elles tiennent un tour de plus à partir du moment où on est au point rouge. Pas bon à savoir... Oh, la Tyrell. Ouf, là, là, complètement à l'agonie, d'ailleurs. 14e. Ouais, faudrait faire, un enchaînement de fou, là, pour pouvoir monter. Deux tours, remonter dans les points, je pense que c'est impossible. Mais bon, si on peut aller gagner une place ou deux, finir au moins pas trop loin, ça serait déjà une bonne nouvelle. Voilà, passage à l'intérieur. C'était pas le plus beau dépassement d'histoire quand même, hein. Mais bon, on va faire avec. Alors, un dernier tour. Je crois que c'est une Williams devant, non, c'est une Stewart. Alors, ce qui pourrait arriver, ce serait que les... Voilà, les autres et les problèmes de pneus un peu comme moi j'ai eu. Ça permettra de reprendre du rythme assez vite. Ouais, j'ai fait un tour de trop, hein, je pense, par rapport aux prévisions. Oh, le passement à la terre. Allez, je passe dans l'air après. Le bâton d'intérêt était magnifique. Mais c'était pas voulu, hein. C'était vraiment en mode perdition. Oh, on remonte tellement vite. Tellement vite. Mais il manque tellement pas assez de tours. Alors on va essayer de prendre la 10ème place.
Allez, aspiration Solarini, non, ça n'a pas passé. Voilà, devant, il y a encore deux positions. Bon, ben on finit 11e. C'est pas mal. Pour une première course en plus avec, avec la pluie, tout ça. Bon, faudra prendre de nos erreurs au niveau des gommes. C'était le tour de trop. Et Frenzen qui remporte la course. Il n'a rien devant Schumacher, Coulthard. Alors en 97, c'était Coulthard hein, qui avait gagné. Frenzen qui avait abandonné sur un problème de frein alors qu'il était en tête. Berger sur la Sauber. Pardon, Herbert sur la Sauber qui est 4ème. Berger 5ème. Barrichello 6ème qui marque un point. Déjà un point pour Stewart. Belle entame de saison pour la nouvelle équipe d'ailleurs. Panis 7ème, pardon. Trulli, Katayama, les deux Minardi, 8ème et 9ème. Larini 10ème. Oh, il y a eu de la perte. Hein. Il y a eu de la casse, j'ai l'impression. Derrière, c'est à peu près logique. Par contre, effectivement, l'abandon de Villeneuve, Irvine, Fisichella, Hill, allez-y, Schumacher. Alors, c'est marrant parce que Villeneuve et Irvine avaient abandonné au premier tour. Donc, du coup, c'est un peu comme en vrai. Au classement, bah, si premier marque des points, donc on est 7ème, enfin les échos et tous les autres. Et au championnat constructeur, bah, grâce à Coulthard, on a quand même 3ème. Ça va être sympa d'avoir une saison où on a enfin un coéquipier qui va manquer des points, parce qu'à chaque fois, en général, il n'en manque pas beaucoup. Donc à voir. À voir. Bon, c'est un petit rendez-vous manqué, parce que bah, on aurait pu marquer des points, franchement. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'était la première. Alors, je vais pas passer à la suite directement, parce que ça sera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des petites idées, évidemment, ou des choses à améliorer, vous me le dites. On se retrouve donc pour le prochain Grand Prix. Normalement, ça doit être au Brésil. Je dis pas de bêtises. Et ensuite, l'Argentine. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.